Né le 6 novembre 1953 à Saint-Nazaire, Gilles Boeuf est professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris et occupe depuis février 2009 les fonctions de président du Muséum national d'histoire naturelle. Physiologiste et endocrinologue de formation, Gilles Boeuf a tiré des océans de substantielles découvertes utiles à l'aquaculture et à la médecine. Des années d'exploration l'ont fait aussi botaniste, paléontologue, entomologiste et l'ont aidé à mûrir une compréhension globale de la complexité du vivant. Titulaire d'un DEA en océanographie biologique, docteur de troisième cycle en biologie du développement et docteur d'état S sciences naturelles, Gilles Boeuf a travaillé durant 20 ans sur la migration des saumons qui passent du milieu continental à l'océan. Et je pense que les travaux les plus fondamentaux que j'ai faits, c'est d'avoir pu montrer le rôle de certaines hormones, comme les hormones de la glande thyroïde, ils ont aussi une glande thyroïde comme nous, hein, et des hormones du cerveau dans l'hypophyse, comme l'hormone de croissance ou la prolactine. Ça, c'est l'effet scientifique les plus patents. Et depuis, je suis maintenant au muséum, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à une question qui m'intéresse beaucoup. L'océan, de très loin, est le plus vaste endroit offert à la vie sur la planète. C'est, en surface, on dit 71%, en volume, c'est 99%. Et pourtant, l'océan n'a plus que 13% des espèces vivantes connues aujourd'hui. C'est une question qui me préoccupe beaucoup. La vie, au départ, n'est qu'océanique. Pendant 300 millions d'années, elle est à la fois dans les océans et sur les continents. Et depuis 110 millions d'années, elle est beaucoup plus sur les continents que dans les océans. C'est aussi, j'ai écrit beaucoup là-dessus, ça, je suis assez content des résultats aussi, des hypothèses qu'on a pu formuler. Fraîchement élu au Collège de France à la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, Gilles Boeuf dispense des cours sur la biodiversité, son évolution et ses croisements avec l'humanité. Connu pour être un passeur de savoir, hyperactif et passionné, il a été notamment président du conseil scientifique de l'Ifremer où il a passé 20 ans, membre du comité national de la recherche scientifique ou encore directeur de l'observatoire océanologique de Banyuls, laboratoire Arago. Gilles Boeuf est l'auteur de plus de 400 publications nationales et internationales et a effectué plus de 100 missions à l'étranger. Recevoir la grande médaille du prince Albert Ier revêt pour lui un caractère symbolique. Moi, j'ai une infinie admiration pour Albert Ier, un prince, hein, chef de gouvernement qui va faire des campagnes océanographiques. Et je suis très attaché aussi, je fais une conférence souvent qui s'appelle « Comment est-ce que l'océan a fourni à l'humanité des modèles de recherche fondamentale pour faire des grandes découvertes ?» Et j'ai trouvé 13 prix Nobel de médecine acquis grâce à l'océan. Et ici, 2013, ce n'est pas neutre pour Monaco, puisqu'en 1913, Charles Richet obtient le prix Nobel en découvrant quelque chose qui est extraordinaire, ce qu'on appelle le choc anaphylactique, hein, la réaction immunitaire exacerbée, en travaillant sur des venins de méduses qui actaient sur des chiens. Et ça, il fait grâce au navire océanographique du prince Albert Ier. Donc il y a un clin d'œil aussi qui m'a beaucoup plu de recevoir cette médaille en 2013. Et je suis un physiologiste endocrinologue assez proche de ce type de recherche et de travaux, en fait. L'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, prince de Monaco, est fier de remettre aujourd'hui la grande médaille du prince Albert Ier à M. Gilles Boeuf.